Oui, c'est un des matchs les plus importants de la saison, Coupe de France. Vous-même, vous mettez la pression. Et c'est là que je veux appuyer là-dessus aujourd'hui. Cette pression-là, il faut qu'elle parte. Ou alors, il faut qu'elle soit positive. Vous savez, dans le 2 contre 2. Il a vu Paul. Ah, il a vu ça. Si Paul est hors jeu, mais pour moi, il est hors jeu. La frappe de Paul. Les buts de Paul, apparemment, il est pas hors jeu. Il est pas hors jeu. Vas-y, Pour moi, il était hors jeu. Et oui, quel arrêt, on se rend compte encore qu'on est prêt à se faire peur, mais ça se dit pas, mais c'est moins pire que les années précédentes. Au fur et à mesure, on est en train de prendre un peu en gaffe. On se rend compte qu'avant, on se faisait peur à 2-1, à 1-1, à 3-2, des choses comme ça. Là, on se fait peur à 3-1, exploit derrière le hockey, mais derrière, on peut lever le pied et faire un peu n'importe quoi. Non, là, on a décidé de continuer à mettre du rythme et on a décidé d'imposer notre jeu, ce qui a fini par. I love when the good news coming in on a day to day. Already know what's happening, I don't gotta shake the hay. Big moves, big stepper in the right direction. The trip continues, every W's a psychedelic. Journey over accolades, divvy up the accolades and tell them boys to have a day. Pour eux là aujourd'hui c'est un gros match. Il faut que ce soit la même chose pour nous malgré qu'on soit champion comme la semaine dernière, malgré qu'on soit champion, qu'on monte, tout ça. C'est la rivalité, la plus grosse rivalité qu'on ait cette saison dans le championnat. Donc il est hors de question de perdre, il est hors de question de prendre un seul but. On soit bien d'accord. Ok. Ceux qui sont devant, il n'y a pas le temps de viser le gardien. S'il vous plaît, soyez efficace. Donc je veux que du sérieux. Il n'y a pas de place à la rigolade, il n'y a pas de place à... Ok, je ne vais pas vous prendre un par un. Il y en a ces derniers temps, c'est pas trop ça. À vous de confirmer sur ce match-là, s'il vous plaît. Ok. Yep. J'aurai pas de pitié pour le match de la semaine prochaine. Donc si vous voulez jouer la semaine prochaine, prouvez aujourd'hui s'il vous plaît, malgré que vous l'avez prouvé toute la saison. On confirme aujourd'hui. Ok messieurs ? Yep. Yep. Allez les gars. Les gars, c'est un des derniers matchs, on s'est kiffé, hein. Tout le monde prend du plaisir. Ouais, efficace les gars. On s'encourage. Prenez du plaisir, mais collectivement, pas individuellement s'il vous plaît. Ok ? Vas-y. Allez à 3. 1, 2, 3. GOLUGES ! Thank you.
the man's abundant. The point of the world was being and rugged. Hushing, I'm plotting on pants in London. The products are not being scared of some judgment. Gotta stay in the cut, cut you off if you ain't making a cut. Couldn't tell you who the hell is behind us. You start to forget when you stay in the front of us. Up, and it's up for grabs. No remorse of who I'm taking it from. Numbers I give on my scoreboard. It's the only form of us staying in touch. That's staying enough. All of the favors I'm done. Too late for y'all to switch teams. Everybody getting big leads. Product flying on the shelf. What's in store for us? Known to hit a hole in one. Again, the crowd is shoulder shrug. Shots are limited. I'm scared. I'm angle way to go. Ready for it. Time's close. I want them down. Stick it to me. Stick it to me. I can't go online. Flag and a stick in the ground. Setting up shots. Je trouve que la première temps elle est pas trop mal. Parce que ça joue quand même bien. Et quelquefois on joue à contre-temps, c'est dommage. Et encore une fois, devant le but. T'es lunettes. Encore une fois, devant, je trouve qu'on n'est pas assez efficace. 2-0 là, vraiment. On devrait être à 3-4. Soyez plus féroce devant le but. Des fois, il y a un contrôle en trop, il y a un crochet en trop. Essayez de jouer en une touche, ça me ferait, franchement, ça me ferait plaisir. Tu vois, Mas, celle que tu as là, là-bas, là, sur le centre, je pense, honnêtement, que tu peux la taper en une touche. Je pense que tu es un peu gourmand, tu aimes ce crochet. On le sait, tu l'aimes ce crochet. Je l'aime aussi. Mais tu nous as déjà prouvé qu'en une touche, tu peux la mettre. On va peut-être avoir un creux de 10, entre 10-15 minutes, comme d'hab. Si on arrive à le gérer, tant mieux. Et on sait qu'après, le reste du match, il est pour nous. Si on est sérieux. Je précise, si on est sérieux. Sinon, ça peut être débordable, on le sait. Ok ? Mais continuons à jouer notre jeu. Ne joue pas un jeu qui n'est pas le nôtre. Ça sert à rien. C'est là qu'on est fort, quand on joue au sol. Oui. On a des mecs qui vont vite, on peut en envoyer une ou deux ou trois devant. Mais n'abusons pas. N'abusons pas. Au milieu, on a des mecs qui savent jouer au ballon, on sait tous. Il y a des mecs qui jouent au ballon au milieu, là. Profitons-en. Devant, soit c'est lui, balle au pied. Ils savent jouer en pivot. Ils savent dribbler. Profitons-en. On a des mecs qui vont vite devant, on le sait. Profitons-en. Mais dans le timing, il faut être bon. C'est juste ça. Oui, coach. Hey, si on est devant le but, c'est dans le but. Ok. Si on est devant le but, la balle est dans le but. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Spectacular.
get your money, you can pay me in respect. Once I do it big, what's to follow is a check. I need 100 bags, nothing more, nothing less. And the odds feeling great, cause I'm next, I'm a threat. Oh, yeah. Really, y'all don't know this, y'all in danger, I'm a threat. It's a threat. Careful with your life, cause you know that it's a bet. It's a bet. You know I ain't letting up, my foot is on your neck. Take my word for it, this is got my way up in my view real posh. You a frisbee mine, so that mean you get tossed. Got a new clip, still yo in the back. Numbers ran up, had to spit it with the chaps. Realest in the city, in my record, I fact. But your man's only chat when he do it in the raps. Like, swag go lost and don't really care what it costs them. Yeah, really trust them. My lifestyle awesome, cutting the side of my gal want it too, so I butt them. Merci beaucoup pour ce championnat. On a fini en beauté. Dernier match de l'année et très important parce que du coup ça permet de partir en vacances l'esprit libre et du coup ça évite de vous saigner à la rentrée si vous perdez ce match, parce que si vous perdez ce match je suis le dernier de vos problèmes, sachez-le. On a un président, ça lui tient beaucoup à cœur, ça tient à cœur à tout le monde d'ailleurs ce match, normalement non. Voilà. Normalement c'est censé être un match pas facile parce qu'on sait jamais, on peut se faire piéger. Mais c'est pas censé être un match très compliqué non plus. Donc à vous de faire les choses bien, d'être super sérieux. Vraiment, j'insiste là-dessus, d'être sérieux jusqu'au bout. Ok ? Tant que ce match n'est pas passé, même ce soir, si c'est n'importe quoi, autant vous dire qu'on arrête l'entraînement. Ok ? À vous de montrer le bon exemple pour les nouveaux qui arrivent pour l'année prochaine. Du coup, pour ceux qui sont là dimanche, je compte vraiment sur vous pour ce dernier match. Ok ? Mettre une cartouche, s'il faut gagner 10-0, on gagne 10-0. Et que chacun fasse son taf. Ok, messieurs ? Yep. Jusqu'à la dernière seconde. Allez, merci à tous. Et on va passer un bon entraînement dans la joie et la bonne humeur. Et surtout dans le sérieux. Ah bah tiens, Djibril, viens là. Viens là. Zekia, tu commences tranquillement par le premier tour que je t'ai donné. Là, tu te rappelles, là, mardi. En attendant, je vois Djibril 2 secondes et après, je prends... Je suis avec toi. On va faire très très simple, très très rapide. Tu sais pourquoi je veux qu'on discute ou pas ? T'as une idée ou pas ? Pour vos lunettes. Bah ouais, forcément. Mais tu te rappelles de cette discussion, on en a déjà eu. Je vous l'avais dit ça il y a quelques mois. Ok ? C'est pas la fin du monde. Je sais que c'était pas... Je sais pas d'ailleurs pourquoi... T'as une explication pourquoi ? En vrai, avec le soleil, t'as vu, j'avais, je voyais un peu noir. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre des lunettes. C'est vrai ou tu te fous de ma gueule là ? C'est pas ça. En tout cas, ça a été super mal interprété, même des anciens, même par rapport. Quand je dis des anciens, c'est même pas que ce soit Mas ou quelqu'un d'autre, c'est même pas eux, c'est plus moi, Maxime, Vincent, déjà c'est suffisant, tu vois. Et c'est trop. Et vraiment, moi, ça me déçoit un peu même de voir sur le terrain, de devoir arrêter et lâcher sur des actions alors que c'est pas toi. Au mi-tard, tu fais beaucoup d'efforts, mais là, le fait est que tu lâches alors que t'es pas à ton poste. Tu vois, Shams et Arthur, ils ont pas fait que des bonnes choses au poste. Après, Arthur a pas bougé de poste. Mais Shams a pas fait que des bonnes choses en tant qu'attaquant. Mais par contre, il s'est jamais arrêté, tu vois. Donc, j'aimerais vraiment, Jib, qu'on prenne ça et que ça te serve code de leçon. Mais c'est clairement des choses que je veux plus revoir, Jib. Vraiment. Surtout à ce moment-là de l'année, surtout là, c'est justement dans ces moments où il faut être vigilant parce qu'on est à la fin de l'année, on vous laisse beaucoup et des fois la limite, elle est facilement franchissable, tu vois. Et je te connais et je sais très bien que vous n'êtes pas des mauvais garçons et que vous ne cherchez pas à nuire à quoi que ce soit, mais
Mais voilà, tu vois, ça a été mal interprété de ouf. Tu vois, même tes potes, je pense, si t'en discutes avec eux, ils ont dû le dire déjà, je pense. Telling me to leave it in. Lot of blessings piling up that I ain't even wish for. No, left over for y'all. I'm locking the fridge door at the crib, cutting hits. I read through the catalog, came to conclusion, no one's touching this. Just finished the maiden voyage, hopping off the Mayflower. Set up shot to kill them off, whatever the take, pal. Seen the boats, I'm at home. I'm selfish with the goals, I could give a fuck who try and get along. 6'3", you can't look me in the eyes, you ain't grown. Coming up short, reevaluate your goals. What you own, see you still these beats. I got splits with all the bros, making sure the team eats. And I had a fuck. Presque quoi là? Là, je suis à ma troisième série. Bah attends, on va récupérer, tu vas sur ta cheville faible, tu vas hop, enfoncer talon dans le sol, garder une jambe fléchie, tu peux t'appuyer avec ta main derrière, tu viens caler ta main, tu te mets un peu de tension, tu viens caler ta main, hop, il y a un sens où il grippe, voilà, ici, tu cales ta main et tu vas chercher à pousser, donc extension de la cheville, là tu pousses bien loin, et tu remontes et tu gardes la résistance tranquillement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une contraction. Même quand tu reviens, tu laisses revenir ta jambe tout doucement, d'accord? Tu fais ça 10 fois, tu changes et tu fais de l'autre côté, d'accord? L'autre côté, tu fais que 5-6 fois. L'important, c'est ta cheville faible. Les gars, vous changez d'exercice, vous allez chercher la première coupelle devant, vous revenez avec ballon, vous allez chercher la deuxième, vous revenez, vous laissez ballon. Et là, vous allez jusqu'à la ligne du milieu. Et là, vous poussez. Looking cool as fuck as I walk away. Get the job done, I'm James Bond and LeBron James. This is not a cosplay, swear I'm lit in real life. And every time I don't write, it's when it feels right. They see the win streak, damn that shit is long-winded. I don't see you at the top, you cannot visit. Or the Dave's hot chicken at a crib with some goth bitches. Get me on any beat, you know I'm going off with it. And when my time comes and that shit a con, know I'm ready. Always hit what I aim for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody trying to step in the way. This I handle shit by any means, you know that's just the way. And when my time comes and that shit a con, know I'm ready. Always hit what I aim for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody trying to step in the way. This I handle shit by any means, you know that's just the way it is. J'essaie de faire vite les gars parce qu'on est très en retard, il est 14h01. On commence dans 22 minutes, on doit être là, l'arbitre il a dit. Donc on a 22 minutes pour nous échauffer, on essaie de faire très vite. Maxime fait sa causerie, je vous attends dehors. Très vite les gars, je vais juste parler de tactique, motivation, je suis pas sûr d'avoir besoin de vous motiver. À part que si on gagne pas ce tour là, bah, l'année prochaine, on va changer toute l'équipe. Non, je plaisante. Steven, c'est toi qui commence parce que tu vas chercher la profondeur. Ok, vous savez qu'on joue à 2-10. Ça marche? T'as une mi-temps pour nous montrer que tu peux continuer à jouer pour la deuxième. Ça marche? Mas, Arthur, je veux que vous combiniez le plus possible. Ok? À vous de voir celui qui va monter le plus pour aller chercher Steven et celui qui va rester un peu en retrait sans pour autant descendre en 6. Ok? Je veux que personne soit à la hauteur de Shems. C'est à Shems qui va avoir un gros boulot aujourd'hui, comme la dernière fois. Je veux que personne ne vienne se mettre à sa hauteur. Nathan, Nico, allez chercher le plus dans la contrainte possible. Si vous êtes dans la contrainte, vraiment, allez-y. S'il faut tirer derrière, faites-le. Ne soyez pas tout le temps altruiste. C'est bien de l'être, mais pas tout le temps. Ok, soyez aussi un peu égoïste. Ça marche. J'ai même pas besoin de vous motiver, mais sur un dernier match de l'année, on finit en beauté, s'il vous plaît. Et comme ça, on repart motivé pour la rentrée, pour ce troisième tour de Coupe de France. Ok, messieurs? Allez, c'est parti. Allez, on met du rythme. Là, on se met dedans rapidement. Pas chasser de l'autre côté, pareil. Paf, vous descendez. Voilà, bien. Allez, deux progressives et avec la chaleur là, le corps il va vite monter en température. On passera au ballon. Allez, progressive, montez en température. Les attaquants, vous allez doubler d'appel. Vous n'allez pas toujours pouvoir avoir la balle. D'accord? Donc Steven, tu vas avoir un rôle important par rapport à ça, c'est de ne pas te désespérer et de faire des appels et de varier tes appels. Nathan, Nico, bah, vous connaissez la chanson, c'est la même chose. Soit je viens au ballon. Je touche avec Amy, avec Elvis pour Nathan ou avec ton latéral de l'autre côté. Soit je vais prendre la profondeur. Si la profondeur elle n'est pas prise,
on n'est pas dans je râle, on est tout de suite dans la réadaptation du jeu. Et qu'est-ce que je peux proposer d'autre derrière? D'accord? J'ai pas eu mon appel. Ok, cool, le jeu il est où? Ok, bah je vais peut-être essayer de revenir au ballon ou alors je reste dans une zone et je reste actif. Ok? Allez, deux colonnes, les ballons. Le terrain, il est. Alors, à mon sens, il est beaucoup plus petit que celui qui est chez nous. Ok. Ouais. Perte de balle défensivement, faire très attention. Si on perd la balle assez proche de la surface, ça peut tirer rapidement. Ok? Sur les côtés, c'est pareil, les corners peuvent y arrêter. Soyez très attentifs, chacun son joueur, et on est très attentif. Essayez de relancer au maximum assez rapidement. Il y aura toujours un. De toute façon, je laisserai toujours un attaquant sur la limite, vous savez comment on fonctionne à chaque fois, pour la contre-attaque. Ok? À vous de frapper. Le terrain est petit, frappez de loin. Il n'y a pas Dylan aujourd'hui pour le faire, alors faites-le s'il vous plaît. Ok? Profitez-en. N'attendez pas d'être au point de pénalty. Ça marche les gars? Ouais. Allez, hein, aucune pitié aujourd'hui. Herman, allez, Herman! On n'en fait qu'un aujourd'hui, messieurs. Enfin, allez, IB, je vous entends. 1, 2, 3, commencez! Allez les gars, allez, allez! Remets-le vite, touche la balle, là, touche-la, contrôle-la. Attention, la balle dans la surface, la frappe. Le but de Gerd Boutrousseau. Messieurs, je vous l'ai dit, perte de balle devant le but, ça frappe, je vous l'ai déjà dit. C'est rien, laisse-les gérer. Ça fait 4 minutes. Arthur, c'est rien. Perdre des ballons, ça veut dire que tu les as, continue. Sois plus juste, mais ça va venir. On est un petit peu caché par les balles, je vous cache pas que des fois, c'est un peu trop nouveau la droite. Moi, je ne vois pas toi, allez, Mathias. Et non, attention, nouveau ballon perdu là, à l'entrée de la surface. Boutrousseau à nouveau, entrée de surface. La frappe, on prend le même but, deux fois le même but, 2-0. Allez, vous vouliez du défi, vous l'avez maintenant. C'est rien Max, allez. Levez la tête, c'est la Coupe de France, c'est normal. Heureusement qu'ils ont envie eux, allez. Nico, je te le dis une dernière fois. Écoute-moi bien, je te le dis une dernière fois. Si t'es dans, au même endroit que Steven, comment tu veux qu'on écarte le jeu? Ok mon grand? Elle est belle.
Bien joué, Elvis. Une zone. Bien, Elvis. Super Steven. Bien, Nico. Ouais. En vrai, 28 minutes de jeu, je pense pas qu'il y ait, ou sinon ça se joue à très peu, mais en tout cas, on respire. Et surtout, bah, l'arbitre assistant, très fort, très juste, parce que c'est quand même l'arbitre assistant de l'équipe adverse. Allez, allez Nathan, allez, peut-être pour le cas où là, on pourra leur mettre la tête dans le sac, sinon ils viennent. Allez, retire sur le côté, qui se bat dans la surface, ils sont venus défendre à deux sur lui. Très bonne récupération d'Elvis. Allez, mon gars, le centre, très bon centre. Il y a du monde. Oh oh le triple de Nico, incroyable, non mais ce match c'est du jamais vu. On se régale Nico aujourd'hui. Il a eu une saison difficile, il te m'a triplé en 30 minutes. Et on est dégueulasse. C'est n'importe quoi. On joue comme on s'entraîne, hein. Une zone, hein. On la cherche depuis deux semaines. Attends. État d'esprit que la mi-temps quand on en a parlé ensemble. Il y a des choses à parler, il y a des choses à faire, c'est vrai, t'as raison. Il y a d'autres choses que tu veux pas entendre. Maintenant change la tendance, s'il te plaît. On a besoin de toi. D'accord? Collectivement. Le reste après on en parlera ensemble derrière. Et collectivement on a besoin de toi mon grand. Allez, 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 on en a mis 3 en 40 minutes, c'est bon. Ouais. Ça vient. Encore. Ça va. Moi, je reste persuadé d'une chose, et là, je ne vais pas parler d'aspect technique, mais d'aspect mental. Je reste persuadé d'une chose, c'est que parfois, on vous dit des choses durant l'année à des moments spécifiques et que vous n'avez pas l'oreille. Vous m'écoutez et vous ne m'entendez pas. La seule différence entre eux et vous, c'est qu'ils ont plus envie. Simplement. C'est qu'eux ne se racontent pas d'histoire. On n'a pas été habitué à perdre cette saison. Ça n'arrivait que deux fois. Et aujourd'hui, quand on est un peu poussé dans nos retranchements, on n'a pas cette mentale, on n'a pas cette grinta. Mais on est plutôt cadré sur « il m'a pas fait la passe, il a raté son contrôle, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça ». En fait, en résumé, on est beaucoup plus orienté sur le personnel et sur l'individuel que le collectif. En fait, c'est ça qui fait la différence dans des matchs de coupe. Et c'est ça qui fera la différence dans des championnats plus élevés à un moment donné. C'est d'être capable à un moment donné de dire « moi, personnellement, je ne suis pas en train de passer un bon match, mais je ne m'arrête pas, je ne lâche pas et je continue parce que la clé de tout ça, c'est le collectif avant tout. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. On pense beaucoup trop à nous, l'erreur que j'ai faite, le contrôle que j'ai raté, la passe que j'ai pas eue, le but que j'ai pas mis, plutôt qu'au collectif. Parce que pendant que vous pensez, ce qui est en train de se passer sur le terrain, c'est que bah, y en a d'autres qui ont plus envie que vous, qui ne se regardent pas. Eux, ils s'en foutent, hein. Eux, ils vont finir blessés. Ils s'en foutent, ils vont tout donner. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que nous, on n'est pas capable de se dire la même chose. Nous, on n'est pas capable de dire. Et il y en a un qui ose me dire, c'est le contraire, qui se lève et qui me le dise. Nous, on est sur le terrain, on a des consciences de notre jeu. On a conscience de nos qualités. Mais on n'a pas conscience que mentalement, il y a encore un levier à actionner. C'est juste ça qui nous manque. Arrêtez de vous regarder. Arrêtez de le... Oui, mais le schéma... Alors, en fait, on ne devait pas... Hey, c'est un match de coupe, ça se gagne. Point. Allez-y avec les couilles un petit peu sur le terrain, ratez des choses. Il n'y a qu'en un ratant qu'on apprend, on le sait, ratez des choses. Mais arrêtez d'être recentré sur moi, mon copain, on était tous les deux, on était là, j'ai raté. Arrêtez les gars,
pensez avec votre tête, rentrez sur le terrain avec de l'envie en fait. S'il faut vous remémorer tous les bas moments que vous avez eu dans votre vie entière, footballeur, homme, faites-le si vous voulez, faites-le. Faites-vous monter en température, faites jouer vos émotions pour aller sur le terrain et d'arrêter de penser en fait. C'est ça qui fera la clé. Il y a juste ça. Ok, des erreurs, des contrôles, 3 tirs, 3 buts pour eux, ok, ok. La seule différence, c'est l'impact. Les duels de premier, deuxième ballon, asphyxiez-les, ils sont cuits, tout petit terrain. C'est juste ce point-là sur lequel je voulais appuyer. Mais après, ça, nous, on ne peut pas le faire. Max et moi, on est des gens très émotionnels, vous le savez, on a envie de rentrer sur le terrain et de donner pour vous. Mais on ne peut pas le faire à votre place, les gars. Des fois, il vaut peut-être faire un pas de retour, laisser notre orgueil et notre ego ici, se dire, tu sais quoi ? Vas-y, on se mettra sur la gueule à la fin du match. On en parlera tous ensemble parce qu'il y a des choses qui ne me vont pas. Peut-être que aussi je suis fatigué, donc peut-être que je ne pense pas les mêmes choses. On fera même une séance vidéo si vous voulez. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont convaincus ici de certaines choses. Et quand on arrive devant l'écran et la caméra et les chiffres, c'est plus la même chose. Parce que hop, la vérité de l'écran ne ment pas. D'accord ? Moi, c'est juste ça. Rentrer sur le terrain sans complexe un peu là. Là, on a remarqué le terrain est beaucoup trop petit, ça casse la tête. On se marche dessus dans cette zone-là. Donc, c'est un peu contre nature pour vous parce que quand on a des grands espaces, vous êtes capable de varier. Vous êtes capable d'être bon là et d'être bon là. D'accord ? Dans cette zone-là. S'il vous plaît, là, on oublie cette zone. Travaillez vraiment comme des ailiers aujourd'hui et pas comme des attaquants. D'accord ? Parce que là, en fait, on va avoir Arthur et Mas qui vont jouer les rôles d'attaquants. Travaillez comme des ailiers. Et la seule raison pour laquelle vous devez être devant le but, c'est comme je te l'ai dit, Nat, c'est parce que vous, si Nico il va centrer, il va trouver une zone, toi, je veux que tu sois dans cette zone-là pour pouvoir vite te revenir dans ton couloir à ton possible. Nico, pareil. D'accord ? Dans cette zone-là, au second poteau pour un centre, mais cette zone-là, elle doit être morte pour vous aujourd'hui. D'accord ? C'est vraiment essentiel. Okay. Si votre latéral il passe dans votre dos d'habitude, je sais, vous venez à l'intérieur en tant que deuxième attaquant, là vous ne pouvez pas. Vous faites un pas, tu laisses Elvis passer, mais toi tu restes dans cette zone-là pour un ballon en retrait à la rigueur, Nico pareil de l'autre côté, mais rentre pas. C'est super compliqué, c'est un terrain qui est très petit, il faut qu'on s'adapte aujourd'hui et tactiquement on travaillera tout ça l'année prochaine, je vous promets, mais travaillez sur ça. We'll be right back.
C'est moment. Eh, on le sait. C'est le moment d'Herman. Faut suivre. Nat, tu prends la place d'Elvis. Je peux vous dire que si on va au pénalty, ils auront un avantage psychologique. Ah bah clairement. Vers l'avant. Attention. Vers l'avant. Je veux pas l'avant. Oh, ça pousse très très fort, allez, il y a un long ballon. Herman, c'est pas le moment de faire des crochets. Hein. Allez les gars, faut tenir là mentalement, là on sait faire normalement. On est solide. Il faut aller vers l'avant, faut être dans le camp adverse. C'est ça, il a raison Nathan. Il a attends, raison. L'accélération de Nathan, c'est l'accélération de Nathan. Magnifique. Il y a touche. C'est une climatisation incroyable ce qui se passe dans le match. Eh, il est fort, mais oui, il est fort. Tu attends, tu te retiens, tu attends. Je tiens juste à vous dire qu'on n'a pas fini forcément par la meilleure des manières, mais psychologiquement, je pense qu'on a été très bon, on s'est bien repris, on a calmé le jeu tout de suite, et on a abandonné ça pour l'équipe adverse. Merci messieurs pour ce match. Bravo monsieur. Bravo. Là, c'était juste la fin de saison. Je laisse le président continuer, mais c'est terminé. Les entraînements continueront jusqu'à fin juin pour faire tourner les jambes, prendre du plaisir ensemble. Merci, vous aimez nous faire peur. Merci quand même. Avec un petit peu d'orgueil, on espérera de plus arriver à cette étape-là la prochaine fois. Bien joué les gars, bravo. Et... dernière chose, je compte sur vous pour le retour au mois d'août, s'il vous plaît. On a de grosses échéances au mois de septembre. Si on veut aller plus loin cette saison en Coupe de France, il n'y a pas 36 solutions, messieurs. Ça va être beaucoup de travail comme on a fait cette année. Ok ? Ouais. Allez, à l'année prochaine. Au revoir à tous. Faites ça comme il se doit, s'il vous plaît. Merci, monsieur. De toute façon, je pense que vous serez beaucoup à être là dimanche prochain, le 18, pour la fête du club, j'espère en tout cas. Oui. Mais je veux juste vous remercier pour toute la saison. Déjà, les objectifs ont été atteints. J'avais dit d'être champion. Vous avez été champion. Ouais. On est passé les deux tours, on est passé les deux tours. Ouais. La prime. Un grand bravo à tous et surtout aussi, parce qu'on ne voit peut-être pas assez, mais du staff qui a fait un travail. Ouais. Hey!
love when the good news coming in on a day to day. Already know what's happening, I don't gotta show.